le beau manège du parc Raymond IV. Ah, il tourne presque à vide. Hein. Et voilà, on est plié. Alors bon, les gens peuvent se servir. Donc ça, en fait, c'est le jardin potager. Des gens qui viennent de l'étranger, pas forcément avec, des bons comportements, voilà, terme. Même avec des comportements pas du tout bons. Mais bon, c'est le monde d'aujourd'hui qui est comme ça. La question, que faire pour arranger tout ça? Voilà. Ils se régalent, eux. C'est vrai que c'est un beau manège, très beau. Il y avait un film que j'avais vu, un film ancien, qui s'appelait Ces merveilleux fous, dans leur rôle de machine. Donc c'est comme ça. Ces merveilleux fous du Hollande, dans leur rôle de machine. Je vais rechercher ça. C'est joli. Hein. Petit bateau, petit gamin, je vais essayer de ne pas le montrer trop, voilà. Là. Et voilà, il est beau votre manège. Merci. Magnifique. Merci. Non, je filme pas les gens, hein. Je filme juste les personnages. C'est pas interdit, mais je préfère pas le faire. Je par respect. Les journalistes, c'est des... Maintenant, quand on voit les journalistes, on est tous journalistes. Vous voyez? Donc, quand il nous raconte que des mensonges... Non, mais elle avait raison, parce que... Même les enfants, il faut pas les filmer, il faut pas les exposer publiquement, les gamins. Avec ce qui se passe actuellement. Ah, il est vraiment magnifique, hein. C'est quelque chose que vous avez acheté ou c'est quelqu'un que vous connaissez qui fabrique ça? On l'a acheté. Ouais. Et après, on l'a acheté le mois d'octobre, là. Et on l'a fait restaurer, c'est celui qui a fait le Minotaure et l'araignée. Ah, d'accord, ok. C'est toute son équipe qui l'a...
Bon, ils font des gens qui font des choses bien quand même, ces gens-là aussi. Oui. Parce que le Minotaure, excusez-moi, hein, ce truc-là, c'est la symbolique que ça a, ce truc-là, je vous dis pas. D'ailleurs, après, un mois après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était au mois d'octobre qu'on avait le Minotaure, au mois de septembre. Ouais, non, Toussaint. C'était quand? Septembre? Non, Toussaint. Novembre. Novembre, donc début novembre. Ouais, et après, il y a eu le, ça a commencé le plus. Voilà. Et en fait, en fait, c'était déjà programmé tout ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir de spontané. Moi, je vous parle de mouvement, là, des gilets jaunes. Et ce mouvement n'a rien à voir. Ce n'est pas spontané du tout, c'était déjà prévu. Et c'est le. Vous savez, demande le RIC. Le RIC. RIC, ça veut dire Rotary International Club. Les gilets jaunes, c'est le jaune, c'est la couleur du Rotary. Gilets jaunes, c'est Karl Lagerfeld qui les a taillés. Vous savez, Karl Lagerfeld connu. Je ne filme pas, à moins que vous le vouliez. Voilà, je continue à finir le chantier. Donc, je disais le Rotary Club International. Le Rotary International Club, pardon, donc pour le RIC, hein, c'est qui réclame. Les gilets jaunes obligatoires dans les voitures, c'est Nicolas Sarkozy. Bon, ça c'était pas une mauvaise chose parce que c'est bien d'avoir un gilet avec un triangle dans la voiture, si jamais, donc pour la sécurité, ça c'est nécessaire. Vendu par son copain Bolloré. Les gens après qui n'avaient pas de gilets jaunes, pas de voiture, ils ont quand même acheté des gilets jaunes. Fluorescent, donc ça permet d'être bien vu pour pouvoir se faire buter par des snipers. Vous voyez un peu le truc? Voilà, tout ça. Donc c'est... Je peux pas le filmer, le monsieur. Donc voilà les dégâts. En fait, c'était prémédité. Et puis les soi-disant porte-parole qui passent à la télé sur BFM, ce sont ce qu'on appelle des acteurs de crise. Nicole, le mec, la Fire Rider, la fille là, elle oui aussi, mais Drouet qui est un faux camionneur, il fait ses vidéos dans une cabine, en fait c'est bidon complet. L'autre, il se trimballe, il dit qu'il est aux allocations spécifiques solidarité. Bon ben maintenant ils font des vidéos sur YouTube. Vous savez que quand vous faites des vidéos, j'en fais moi des vidéos sur YouTube. Quand vous faites des vidéos sur YouTube, quand vous avez beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, vous touchez de l'argent. Vous avez de l'argent. Donc chaque vidéo, ça les rapporte 2000 euros. J'en fais tous les jours. Des fois, j'en fais deux. Voilà, à peu près. C'est bon. C'est ce que j'ai entendu, hein, donc je ne peux pas vraiment le confirmer, mais connaissant les conditions de YouTube, c'est tout à fait probable. Ensuite, il y a le mec, là, les borniers, là, Rodriguez, c'est bidon complet. Dimanche, comme par hasard, les mecs, on les a dénoncés, parce que ces mecs, on les a dénoncés. Ils se sont fait tous mettre en garde vue en même temps le dimanche, passer à la télévision. Ils travaillent pour le système. Donc ils sont... mais il y a encore des débiles qui croient. C'est des gens qui... Débiles, ça veut dire faible. Hein. Voilà. Donc, c'est... Voilà, et ça profite donc aux... Non, mais ceux qui mettent le pays à sac, c'est pas les gilets jaunes. Ceux qui mettent le pays à sac, parce que les gilets jaunes sont pacifiques, la plupart, hein, c'est pas ça. Ceux qui mettent le pays à sac, c'est le gouvernement, hein. C'est les gouvernements successifs. Donc quand vous devez payer pour... Vous travaillez pour le système criminel. Hein, on a quand même, en France l'année dernière, 50 000 personnes qui ont disparu. La plupart, c'est passé le Tour de France, c'est ça. Voilà. Donc... Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Non, c'est le système criminel, ça. Ouais, mais... Faut se renseigner. Ils sont hors la loi, ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas légitimes. Faut se... Voilà. Donc, vous n'avez pas le temps de regarder tout ça, mais parce que vous travaillez. Voilà.
Mais c'est important. Parce que bon, moi j'ai décidé d'arrêter de leur filer du chocolat. Voilà. Enfin, d'arrêter. Voilà. Voilà, donc faut comprendre ce qui se passe, quoi. Faut vraiment. Ben, c'est très compliqué parce qu'ils font en sorte justement qu'on ne comprenne pas. Ils ont des longueurs d'avance. Donc ils font vraiment en sorte qu'on ne puisse pas comprendre tout ce qui se passe. Voilà, et voilà où on en est. Donc je voulais terminer parce que je suis en train de parler en même temps. Et ça enregistre. Voilà. Donc tout ça, c'est des gens bidons. Là. Ils se sont fait arrêter pour faire croire que c'est des vrais meneurs. Alors qu'en fait, les mecs sont allés boire à l'apéro avec les flics. Ils n'ont même pas été dans les cellules. Mais bon, le mec qui a été éborgné, c'est bidon complet. Le mec qui vend des pins. Le mec, il avait soi-disant perdu son travail. Et puis là, maintenant, il fait du pognon avec les gilets jaunes. Faut arrêter. Voilà. Bon, ben voilà, sur ce, hein, j'arrête. Hein. Merci, madame. En tout cas, il est magnifique, votre... Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez le voir, hein, je vous donne où est-ce que vous pouvez le regarder.